Pour l'anniversaire, je suis ripou. Pas ton truc. Tu aimes la musique, tu aimes la chanson? Oui. On accueille tout de suite au standard David. Bonsoir David. Bonsoir, excusez-moi, avec le fixe, je suis obligé de mettre le répondeur. Le haut-parleur peut-être? Oui, je me suis trompé. Oh, oui, mais parce que si c'était le répondeur, je disais putain, il est vachement moderne son répondeur, David, il arrive à nous répondre. J'étais pas concentré sur ce que je disais, je pense. Oui, d'accord. C'est pas grave, c'est les artistes sont dans un autre monde. David, il est toujours dans le 4-2, dans le 4-3, il est où David déjà? De quoi? Il est dans le 4-2, dans le 4-3, David? Oh, dans le 42, toujours près de Rouen. Eh ben oui. Et puis David, si vous savez pas. C'est l'Anthony que vous avez déjà entendu l'autre fois. Oui. David, ce que vous savez pas non plus, c'est que il n'est pas seulement qu'un auditeur qui parle bien fort dans son micro. Non, il chante aussi. Et je lui ai demandé, et je vous le dis, et je lui ai demandé gentiment de me faire une petite chanson de Noël, parce que là, on est quand même à 3 jours de l'ouverture des cadeaux. Mmh. Le 25, et 4. Ta gueule. Ta gueule ou je coupe pour ton micro. Hein. Et David, je me suis dit, est-ce que ça serait pas. Il y a eu Tino Rossi, qui a fait Petit Papa Noël. Toi, t'as choisi quoi comme chanson de Noël ce soir? Bah, je chanterai deux refrains, une chanson que j'avais chantée quand j'avais 5 ans et demi, quoi. Ouais. Bon baiser de Fort de France. Ah ouais, bah c'est vrai que c'est Noël, ouais, vas-y, ouais. Et Petit Papa Noël de Tino Rossi, parce que c'est les deux chansons qui ont plus bercé mon enfance. Alors, tu me fais court pour la première et un peu plus long pour la deuxième, d'accord? Ben, court pour Bon Baiser de Fort de France et un peu plus long pour Petit Papa Noël. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est parfait. On dirait moi. Allez, on y va. 3, 4. Noël, joyeux Noël, Bon Baiser de Fort de France. Ouais. Ce soir, on est à la télé. Ce soir ensemble on va chanter Noël, joyeux Noël, Bon Baiser de Fort de France. Et stop. Oui. Yeah, bravo. T'applaudis pas toi? Ah bah oui, chaque fois j'ai qu'à tenir. Voilà. Ça veut dire que vous êtes formidable. Alors attention maintenant, les poils dressés. Voici Petit Papa Noël que vous pouvez enregistrer et peut-être vous repasser pendant le repas de Noël. N'hésitez pas. Voici David. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Ouais, je sais, c'était un petit peu pas terrible. Hein. Allez, monte un peu plus loin. Vita. T'es en train de me dire pourquoi vous dites Vita? Sinon, je peux passer un message aux auditeurs. Tu veux le faire? En tournée dans toute la France. Tu veux dire quoi aux auditeurs? Ben, leur dire qu'ils arrêtent de penser que vous moquez des gens parce qu'il y a une personne qui alors, David, tu sais quoi? On en parle dans 3 minutes et on en parle ensemble pour savoir ce que te disent les gens, d'accord? Oui. Allez, bouge pas. Bisous. Radio Scoop. À Lyon, 92 FM. Le grand jeu de Noël Radio Scoop. Le casque audio Soy Luna pour Morgane. Ouais, cool. Radio Scoop est la radio de Lyon. Les cadeaux sont réservés à nos auditeurs. Ah oui, j'ai bien vu. Le grand jeu de Noël Radio Scoop. Carte cadeau de 100€ pour toi ce matin. Oui. C'est vraiment Noël. Pour les fêtes, le centre commercial Saint-Genis 2 joue les Pères Noël en s'associant au grand jeu de Noël Radio Scoop. Saint-Genis 2, chez nous, c'est chez vous. Envie de sensations fortes et de fun? Exalto est votre nouveau multiplex de loisirs à Lyon-Villeurbanne. Découvrez un espace de plus de 70 trampolines, 12 murs d'escalade ludique, un laser game au décor détonnant, 3 univers pour 3 fois plus de fun à Exalto. Exalto, c'est au Puits du Canal à Villeurbanne et c'est ouvert 7 jours sur 7. Info et résa sur exalto-park.com. Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires. De nuit avec Jérôme, Charlène et le pape sur Radio Scoop. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs comme Nikita.
culottée. Elle est pas dans le même que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP et me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai Instagram. Je prends mon sang pour mon Facebook, comme moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Cheveux longs comme Chiquita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Chiquita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Mais où t'étais, gars? J't'imaginais comme ça quand j'étais seul. Des fois tu me fais la gueule. Rien qu'on fait les ferreurs et qu'on s'engueule. J'vois plus rien devant son boule magique. Je mets pas, je deviens très nostalgique. Elle s'est fait belle, ouais, elle s'est fait les ongles. Elle a fait les plaques sur ses cheveux lambeaux. J'l'aime bien, elle est gentille et simple. Pas besoin d'aller la chercher en lambeau. Elle me trouve beau, même quand je le suis pas. Fuis-moi, j'te suis, elle, j'la suis, elle me fuit pas. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Chiquita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Chiquita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Regarde qui tu quittes. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tu quittes. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes. L'équipe de nuit sur Radioscoop. Et ouais, on est là, on est en pleine forme. Vous passez à l'antenne, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu ici chez vous, même si vous êtes quand même un peu chez moi. Vous essuyez les pieds, vous ramassez un petit peu votre bordel. D'ailleurs, je suis désolé pour le personnel de ménage de Radioscoop. J'ai un petit peu été trop loin dans le jeu pour la journée de l'orgasme où j'ai dit oh, Farlène, et j'en ai mis absolument partout. Je m'excuse par avance. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de faire le ménage en m'excusant à l'antenne. On discutait avant de retrouver Cathy et Anne qui sont avec nous au standard. On discutait avec David. Rebonsoir, mon petit David. Bonsoir, enfin rebonsoir, oui, hein. Ouais. Ah, j'ai foiré un peu là. Hein. Et le temps que tu finisses ta phrase, eh bien je vais lire les SMS. Ouais. Coucou dédié à toutes, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Jérôme, je ne sais pas. Jérôme, tu imites trop bien ma mère. Quand je parle comme ça là, il va voir, hein, franchement. Hein, des conneries là, petit con. Coucou dédié à toutes, on s'en fout des autres. Coucou dédié à toutes, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Jérôme, je l'ai déjà lu. Nicolas, je voudrais vous dire que vous arrêtez de victimiser Charlène en public. Oui, s'il vous plaît. Juste en privé, ça suffit. Voilà. Bisous à tous, surtout à Le Pape. Aïe, il y a son petit fan club, Le Pape. Im Le Pape. Merci beaucoup, l'équipe, vous êtes c'est super sympa. Ah, ça doit être Exorciste 38 qui a dû recevoir sa photo. Il m'a aussi dit merci beaucoup par texto. Ah, un petit peu avec l'exorciste. Et voilà, on a ouvert la boîte au problème. Passion Bus 69. Est-ce que je peux avoir une photo de vous trois par SMS? Et envoyé. Ah là là là. Coucou équipe de nuit. Alors pour la télérité donc. Et j'ai une question à vous poser. J'ai 15 ans. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer entre vous trois? Bisous. Oui. Oui. Oh oui. Bah, alors on se dispute entre nous trois et au final j'ai raison. C'est quand même pas compliqué la vie. Ah voilà. Non. Ouais d'accord. Pardon. Des fois t'as tort. Ouais. Oui mais au final. Bah, t'as raison. Voilà, j'ai raison. Non mais lui de manière c'est bon. Eh ben Anne elle s'en va. Eh ben allez. Voilà, alors celle-ci elle veut passer une dédie. Je vais la faire passer dans une minute. Elle a la patience. Rockin' on the boogie. Bah, si vous ne parlez pas l'anglais, je ne suis pour rien. Jérôme, c'est le sosie officiel de Patrick Bruel. Va falloir vraiment que tu t'achètes des lunettes, Virginie. Le strabisme, hein, tu vois, comme quoi. Ah ouais. Peut-être si tu clignes des yeux à la rigueur. Je pense pas être le sosie de Patrick Bruel. Non, quand pas même. Du tout, non. Attends, regarde, je vais cligner des yeux pour voir. Tu m'aurais dit encore Tom Cruise.
Ouais, non plus. Brad Pitt, George Clooney. Non plus. Bon, allez, voilà. Tu ressembles à Will Smith quand tu clignes des yeux. Ouais, mais quand tu les fermes surtout. Eh, Will Smith, c'est toi. T'as vu? Ouais, c'est pas mal, t'es beau gosse. Gilbert Montagnier, du coup, quand tu fermes les yeux aussi. Allez, non, c'est gênant. Au revoir pour l'avion. Et allez! Et voilà. Ah, tu fais dans la. Ah, oui, attends, vas-y. T'as vu? Oh, je peux jouer avec ça toute la nuit. Oh merde. Et pendant ce temps-là, David est très sage. Oui, bah, je suis là. Ah, oh, c'est trop mignon. Merci, monsieur. N'oublie pas, vendredi, je réorganise l'émission si je meurs. Hein. Ouais. Ah, bon, c'est important. Hein. Payot. Bah, quoi? Non, mais j'ai bien compris que c'était ton préféré de toute façon. Bah écoute, en tout cas, il fait tout pour avoir ma place, hein, et c'est très bien comme ça. Mais moi, je veux pas ta place. Bah, qui dit ma place dit mon salaire. Bah, c'est pas grave. J'ai quand même sorti dans les yeux le. Ah oui, quand même. Il y a combien de zéros? Un peu plus que toi. Pas beaucoup, hein. 1000 ou 2000 euros près, y a rien, quoi. C'est quoi? Une broutille. Tu ferais quoi? Tu ferais quoi avec 3000 euros net par mois? Bah, rien. Bon, bah voilà. Bah, voilà, alors, pourquoi te les donner? C'est une journée shopping. Hein? Des crêpes. Plein de crêpes. Moi, je t'offre de la farine. La meuf, vous avez vu, hein. Centimes, c'est bon. Elle va loin. Ouais. 3000 euros par mois, des crêpes. Tu m'achètes une crêperie. Comme ça, j'ai même plus besoin de les faire. La Tefal, la grande crêpière. Bon, David, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que des gens t'ont dit? Parce que là, on a quitté là-dessus, mais je voudrais en avoir le cœur net et vraiment protégé. Ben, sur Facebook, il y a une personne qui me disait que vous vous moquiez de moi et de mon collègue surtout. Alors, c'est pour pas qu'il y ait ambiguïté que je voulais parler de ça. Voilà. Mais et on se moque de tout le monde? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il n'y a pas qu'à moi, hein, je lui avais répondu. Ben, et tu sais que si on en avait rien à foutre de toi, on ne ferait pas passer à l'antenne, David? Mais il y a des gens, des fois. C'est ce que c'est, ça, David? C'est la jalousie. Ouais, je pense, ouais, c'est peut-être la jalousie, ouais. Tu sais, c'est comme les gens qui vont te regarder un jour, ils vont te dire, ouais, toi, David, tu chantes mal. Tu vois, c'est ce qu'ils sont jaloux. Ouais, d'ailleurs, on m'a déjà dit que je chantais mal, et pourtant, moi, je trouve que je chante plutôt super bien. Bah ouais, non, mais tu sais, ça, c'est les gens, ils sont jaloux. Charlène, t'en penses quoi? Ils sont jaloux. Tu vois, ça, c'est la haine. Mais tu sais, c'est comme les mecs qui vont sur YouTube, ils regardent pas la vidéo, ils mettent un pouce rouge. Mmh. Ouais. Mais après, toi, au moins, t'as le cran de venir, tu vois. Eux, ils ont pas le cran. Je montre que j'ai pas peur, hein. Tu montres que t'as des coucougnettas. Ouais. Enfin, cela dit, David, t'as pas beaucoup non plus. Voilà, faut pas trop t'applaudir parce que, quand on a une belle voix comme toi, c'est un peu facile de venir chanter à la radio, hein. Pas trop dur, quoi. Mmh. Hein? Surtout que j'ai renommé mon compte Facebook. Bon, ben, c'est pas pour usurper parce que j'ai laissé mon nom de famille. De toute façon, j'arrêtais pas de changer de nom de Facebook, machin. Et au bout d'un moment, et tu l'appelais comment? C'est Radio Scoop Profond. En plus, j'ai dit mon nom de famille, mais bon, je m'en fous. Mais t'as pas le droit d'utiliser le nom de la radio, David. Ouais, mais j'arrive pas à rechanger, du coup. Ouais, je sais pas, mais pour de vrai, t'as pas le droit. J'ai pas envie que ce soit ambigu après, mais j'ai laissé mon nom de famille. Mais bon, je voudrais bien trouver une solution pour pouvoir rechanger, parce que je me dis quand même, c'est pas si bien que ça de mettre le nom de la radio. Bon, d'un côté, il y a un avantage, j'ai laissé mon nom. Ah, mais en fait, je regarde ce qu'il a fait. Il a juste fait une petite pancarte en disant, ce soir, je chante Noël sur Radio Scoop dans l'équipe de nuit. C'est pas grave ce que t'as fait. Mais non, c'est son nom. Il a pris le nom Radio Scoop. Non? Non, du tout. Il a juste Je suis dessus. Mais c'est son prénom. C'est juste, On s'en fout. Alors, ça David, c'est juste une photo, en fait, avec de la pub. Écoute, laisse parler ton talent. C'est de la pub pour les gens, voilà. Laisse tomber tes problèmes. Viens avec nous danser avec l'équipe. Moi, je m'en fous. Je montre que j'ai pas peur. Sinon, je passe une petite dédicace à une fille que je connais de Facebook, que j'ai jamais rencontrée, mais. Vous avez vu, David, il fait les demandes et les réponses dans la même phrase. Vas-y. Oui, il y a une fille sur Facebook qui me demandait de lui faire une petite dédicace qui s'appelle Alice. Bon, je l'ai jamais rencontrée, mais j'ai déjà entendu sa voix sur Facebook, j'ai déjà un peu parlé. Elle a des grosses gougouttes? Bon, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Elle est attirante. Des émissions, tu veux dire, non? Ouais, des gougouttes, quoi. Oh, j'en sais rien. Elle montre une photo d'elle juste de profil, alors il n'y a pas beaucoup de photos d'elle. Hein. Ah, tant qu'elle n'est pas de dos, c'est que c'est rassurant. Pourtant, elle a l'air très jolie, mais bon. C'est vrai que moi, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être comme dans Juan un petit peu. Mais faut dire que t'as pas que la voix. Ouais. T'es pas mal. Ah bah, oui. Ah bah oui. Faut qu'on fasse une soirée séduction avec toi. Charlène, elle est jolie. Ah bah oui. Et surtout les douces. Quelqu'un qui ne casse pas Charlène, parce que j'imagine qu'il y en a qui. Ouais, j'avais entendu dire tout à l'heure que. Non, t'inquiète, vous voulez tous la niquer, hein. Vous êtes tous sur le même point de vue.
Ouais, David, moi c'est pas, ce sera pas le cas. Charlène, je la respecte. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'on dit qu'une fois qu'on l'a niqué, après on la respecte plus, on s'en fout. Ils disent tout ça. Tiens, je te respecte, t'es un petit pic. Oh, sinon, moi j'aime bien faire des imitations aussi. Oui, alors on va s'arrêter là, David, parce que trop de bonheur d'un coup, j'ai peur que les gens soient pas prêts. Ouais. Et en plus, j'ai Anne et Cathy, donc faut laisser la place aux fans, David, tu vois. Oui, d'accord, oui. Bon, je te fais un bisou, merci de nous avoir appelé. La prochaine fois, allez. Bah, allez, bisous. Et joyeux Noël si on se revoit pas avant. À l'année prochaine. À l'année prochaine. D'avance, oui, joyeux Noël d'avance. Et à l'année prochaine. Ah bon, à l'année prochaine, c'est bientôt, hein. Ah, d'accord. Bon. Allez. Donc, on verra bien. Si vous voulez me rappeler, n'hésitez pas. D'accord. Allez, coupe. Bisous, mon David. Bisous.